Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose que l'on commence. Donc, bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la sensibilisation aux enjeux de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, l'objectif est de préparer la prochaine consultation du public qui va démarrer le 1er mars. Donc, je me présente, hein, Stéphanie Blancard. Donc, je suis la déléguée à l'information et à la communication à l'Agence de l'eau. Donc, une petite information pour débuter. Donc, je pense que ça vous a déjà été précisé dans le chat. Donc, nous sommes sous un format webinaire, ce qui fait que de votre côté, vous n'avez pas d'accès à la vidéo ni au micro. Voilà. Une deuxième information également, il faut savoir que ce webinaire est enregistré. Donc, l'objectif, c'est que nous soyons en mesure de mettre en ligne les captations des vidéos de vos présentations sur le site Internet. Voilà. Donc, avant de laisser la parole au directeur général, Martin Guton, je vous propose que l'on fasse un petit sondage. Effectivement, vous avez l'habitude, hein, ce webinaire se remplace un petit peu nos rencontres de l'eau qui ont lieu sur le territoire chaque année. Donc, pendant ces rencontres de l'eau, on a l'habitude d'échanger, de se voir, de se rencontrer, de se présenter. Donc, comme cette année, eh bien, on s'adapte, on propose de se présenter différemment. Donc, on va lancer un petit sondage et je vous propose d'y participer. Je vois que tout le monde répond. Nous sommes pour le moment 215 personnes connectées. Et donc, nous avons à peu près 40% d'associations, 30% de collectivités, 17% de services de l'État ou établissements publics, mais nous avons aussi des agriculteurs, de l'industrie, des particuliers, des bureaux d'études et puis une catégorie autre. Donc, ben merci beaucoup d'avoir participé, parce que ça nous permet effectivement, même si on ne se voit pas, hein, comme vous l'a dit, on n'a pas accès à la vidéo, vous n'allez voir que les intervenants aujourd'hui, mais vous savez à peu près qui il y a derrière ces écrans noirs. Merci à vous. Et bien, sans plus attendre, je vais laisser la parole au directeur général de l'Agence de l'eau, Martin Guton.